Derrick Rose, Donovan Mitchell, ils ont un point en commun, ce sont des cartes incroyables à l'heure actuelle sur My Team. Peut-être qu'il vous manque quelques pièces pour avoir Derrick Rose, peut-être qu'il vous manque un tas d'interceptions à faire pour Donovan Mitchell, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que ces deux joueurs sont vraiment des incontournables déjà sur My Team. Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une vidéo et deux reviews dans cette vidéo. On va présenter les cartes de Derrick Rose et Donovan Mitchell. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Le pouce vers le haut pour le référencement et le commentaire pour la visibilité, c'est parfait. Pour rappel, Derrick Rose, pour ceux éventuellement qui auraient loupé la vidéo de dimanche, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran, mais il faudra récupérer toutes les pièces de la vitrine à trophée des Chicago Bulls si vous voulez récupérer Derrick Rose. Quant à Donovan Mitchell, si vous souhaitez le récupérer, il faudra soit avoir un maximum de chance dans le TTO, dans la roue, ou dans le clutch pour espérer récupérer le nouvel arrière des Cavaliers, ou bien, si vous avez un peu de temps comme moi et si vous êtes motivé et courageux, vous pouvez faire le groupe de défis pour Donovan Mitchell qui comprend 5 défis à réaliser avant de débloquer Spider Mitchell. Il faudra notamment réaliser 134 interceptions sur plusieurs matchs, marquer 323 points avec les joueurs du Jazz, faire 47 dunks avec des arrières, marquer 129 3 points avec des joueurs des Cavaliers et enfin faire 7 double-double avec la carte de Donovan Mitchell. Présentation rapide de Derrick Rose. Derrick Rose, 1m91, 99 en attaque, 90 en défense, 90 kg, 84 à 3 points, dunk en pénétration 95, contrôle de balle 95, contre 54, interception 80, défense extérieure 85, rebond 65, 69, vitesse 98 partout, accélération 98, détente 98, force 70, endurance 95, pressing 95 et rapidité latérale 88. Concernant les badges, oui, il possède déjà 10 badges Hall of Fame. On est qu'en début de jeu, 15 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Acrobate, gâchette rapide, finisseur intrépide, take-off sans limite, dunker de génie, anguille insaisissable, hyper drive, premier pas rapide, bâton sauteur. On est en début de jeu, donc on ne sait pas encore forcément quels sont les meilleurs badges sur My Team. Sachez déjà que premier pas rapide est un badge déjà incroyable dans la mesure où la plupart des cartes sont des cartes améthystes, voire diamant, voire même rubis. Le badge premier pas rapide Hall of Fame, vous allez le voir qu'il peut faire vraiment des ravages. Donovan Mitchell, quant à lui, 1,86, 97 kg, peut jouer poste 1 et poste 2, 94 en attaque, 88 en défense, concernant les notes, 89 à 3 points, 89 à mi-distance, dunk en pénétration, 90, contrôle de balle, 88, contre 80, interception 88, défense extérieure, 88 à l'intérieur, 79, rebond 65 et 75, vitesse 93 partout, détente 95, force 79, endurance 95, pressing 95 et rapidité latérale 90. Concernant les badges, il possède 8 badges en bronze, 16 badges en argent, 16 en or et 3 en Hall of Fame. Gâchette rapide, take-off sans limite et premier pas rapide. On a là deux joueurs qui sont quasiment similaires. Tant c'est des combo guards, tant ils sont très rapides, tant ils ont des bons dribbles, mais également ils sont hyper athlétiques. Donc attention les posters, attention les shoots, attention la défense, ça va aller très très vite. Vous allez voir que les deux ensemble sur le terrain, ça peut faire vraiment du très très sale. Petit passage bref et rapide en freestyle. Vous le voyez ici déjà qu'il est hyper rapide. Les dribbles, je ne les maîtrise pas encore. Je suis en train d'apprendre les dribbles. Mais avec la barre d'adrénaline cette année, c'est un peu plus compliqué de dribbler parce qu'il va perdre beaucoup en énergie et en efficacité. Le shoot spécifique à Derrick Rose, si vous avez eu l'habitude ces dernières années de shooter avec Derrick Rose, vous ne serez pas dépaysé. Un shoot propre à lui. Avec le premier pas rapide, vous allez voir qu'il va vraiment déstabiliser les défenseurs adverses. Et en défense, shipper de ballon incroyable, il va vraiment être un véritable poison en défense. Concernant Donovan Mitchell, les joueurs diamant et diamant rose commencent tous à avoir pas mal de haute zone, vous le voyez ici à l'écran. Excellent dribbleur, rappelez-vous la carte améthyste Dunktober de Donovan Mitchell l'année dernière qui était déjà incroyable. Et là, on est sur le même type de carte, la même lignée de Donovan Mitchell. Excellent dribbleur, très rapide balle en main, capable de terminer très très fort, bien qu'il ne fasse qu'1m86. En plus de ça, il a un shoot très très bon, light, smooth, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais release très très propre, qui va vous permettre de green si vous maîtrisez le shoot, parce que oui, on est encore un peu tous en délicatesse avec le shoot, moi le premier. Mais croyez-moi qu'avec
la maîtrise que vous allez avoir du shoot, la maîtrise que vous allez avoir de sa release, vous allez être en mesure de toujours green et mettre à mal vos adversaires. Donc oui, attention, Donovan Mitchell va être un réel problème dans tous les compartiments du terrain. En défense, au même titre que Derrick Rose, il va être capable de marquer son adversaire à la culotte, de shipper le ballon dans les mains de ses adversaires, et en attaque, quand vous allez maîtriser sa release, vous allez voir que vous allez être vraiment capable de tout faire. Toujours ce plaisir de voir les équipes avant le match de nos adversaires, Scottie Barnes, Jalen Duren, Paolo Banchero, Chris Mullin et BJ Armstrong. Une bonne équipe, mais nous, avec notre back court, Derrick Rose, Donovan Mitchell, allez, on va miser sur un 10 points de nos deux joueurs dans ce match, ou un rush kit, c'est tout ce que l'on souhaite. Allez, qui a la balle, Pau Gasol. C'est vrai que je viens de mettre le maillot des Chicago Bulls. Derrick Rose, tout de suite, personne pour l'arrêter. La passe ici, ressort, il va sauter. Pourquoi ? Saute ! Pourquoi ? Elle y est, vous allez voir Donovan Mitchell. Et voilà, le premier panier à mi-distance de Donovan Mitchell. Attention, attention à ne pas les laisser tout seuls. Collez-les bien à la culotte. À droite là-bas, bonne défense, ça ne passe pas. Regardez, on revient. Excellente défense. Voilà, balle. Voilà, balle. Fin des 24 secondes, give me the ball. Balle. Jamais, ça rentre pas. Ça rentre pas, je vous l'ai dit, ça rentre pas. Attention, ça repart tout vite, très vite. On a vu là-bas Donovan Mitchell. Il monte pas sur nous. Il y a là ici, Sohan qui est tout seul. Ressort, wide open. Derrick Rose, for free. Let's go, baby. Attention à ne pas les laisser tout seuls. Oui, il a pas les hautes zones partout, mais attention quand même. Respectez le plus jeune MVP de l'histoire, s'il vous plaît. Interception, regardez les deux. Vous avez vu comment les deux joueurs se sont jetés sur le ballon? C'est vraiment des virus, les deux. Ils me font penser un peu au backcourt de Portes l'année dernière avec Brendan Jefferson et Justin Bibbins, pour ceux qui suivent un peu la Blitzkrieg Elite. Allez, défense, ça ne passe pas. Excellente défense, encore une fois. Rebond, ça repart très vite. Donovan Mitchell, ça part, ça court. Donne-la ici. Tout de suite, termine Tomar, personne ne peut t'arrêter. Main gauche, s'il vous plaît. Très difficile à arrêter. En plus, à l'heure actuelle, les pénétrations sont très dures à arrêter, donc ça va être un vrai problème. Défense. Regardez, balle. Lève les bras. Comment ça, il y a faute? Et comment ça, il y a end one? Excellent. Balle. Jamais, bravo, messieurs. Merci la défense, ça repart très vite. Derrick Rose. Attention, Derrick Rose. Oh là là, Derrick Rose, memories, rappelez-vous les highlights. Et donne pas Chris Mullin, lève les bras, balle. Tu peux rien faire. Vous avez vu un peu comment Derrick Rose, il tient Banchero? Et voilà. Merci bien pour les 3 secondes, rendez-nous la balle, 3 à 17. On est en train de lui faire une sérénade. Oh, je sois un peu plus minutieux, rebond. Merci, ça repart là-bas, Donovan Mitchell, tout seul. Parfait. Le alley-oop, entre les deux. Oh là 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 là. Si ça, c'était rentré, sincèrement. Ça rentre. Donovan Mitchell, c'est pas rentré. On a forcé un peu, mais c'est pas grave. Allez, Derrick Rose, il la donne ici, à Donovan Mitchell. On la ressort ici. Donovan Mitchell, s'il te plaît. Arrête de rester dans la raquette, là. Tout seul. Eh ouais, parfait, voilà. On a juste à faire des passes, ça casse totalement son off-ball. 3 à 21 et tu te mets off-ball. Grosse équipe qu'on va affronter, Donovan Mitchell, Chris Mullin, Scottie Barnes, Rudy Gobert, Kirilenko. Ça va être un gros match-up. En espérant que ça soit un match-up qui nous soit favorable. Allez, Gobert face à Gasol, on se croirait à l'Euro 2015, là. Regardez, vous voyez avec Gobert, là? Vous voyez comment il est avec Gobert? 5 secondes à jouer. Parfait. Passage en force. J'ai été annihilé. J'étais limite forcé de foncer sur Gobert. J'ai essayé de le contourner, mais impossible. Allez, défense. Ça rentre pas. Merci. Rebond. Je croyais que Gobert allait encore avoir le rebond. Allez, courir. Déborde-le. Waouh. À droite. Merci, la marodome. Termine là-bas. Oui, Donovan Mitchell, te fais pas bâcher. Merci bien, excellente interception de l'épouvantail qu'est la marodome. C'est parfait. Inter. Voilà, défense. Shoot de l'astuce avec Gobert. Regardez comment on l'a contourné. Et derrière, Donovan Mitchell qui nous a permis de envoyer Derrick Rose au Tomar. Non, franchement, non. À droite. Lève les bras. Bonne défense. Mais comment ça rentre? Termine. Oh là 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 là. Mais quelle finition, quelle acrobate. Incroyable, Donovan Mitchell. Interception, mon grand, oui. Tu peux rien faire. Oh, il m'a bâché. C'est peut-être ça le problème, quand il part pas au Tomar, je peux me faire bâcher facilement. Shoot. Bâché. Merci, Sohan. Ça repart très très vite. On va lancer un alley-oop parce que c'est le play à faire. Voilà, on repasse devant, on perdait 7-0. Notre adversaire est dans le mal. Ressort, temporise. Derrick Rose tout seul.
Et voilà le reverse, je vous l'ai dit, avec ces joueurs de petite taille, pour le moment, avec ce qui se passe dans le jeu, les pénétrations qui sont dures à contrer, vous allez vous régaler. Défense, défense, bonne défense, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Regardez-le avec Gobert, là. Regardez-le avec Gobert. Et regardez, il est plus rapide d'Eric Rose. Il est plus rapide d'Eric Rose. Voilà, t'as mérité ton start, arrête de off-ball. Derrière le green de Derrick Rose, qui nous met très très bien. Lève les bras. Bonne défense. Bonne défense, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. It's over. It's over, comme dit Raven Carter. En conclusion, ces deux cartes sont vraiment très bonnes. Derrick Rose, très athlétique. Oui, beaucoup de gens vont dire, oui, on préfère Donovan Mitchell, on préfère Stephen Curry, on préfère Russell Westbrook. Mais Derrick Rose, grâce à son package de dunk tellement unique, grâce à son shoot très light pour un début de jeu où on ne sait pas encore très bien shooter, Derrick Rose sera peut-être l'élément parfait qui vous permettra d'être très à l'aise à la main, aussi bien en pénétration qu'au shoot. Quant à Donovan Mitchell, moi je le fais jouer poste 2, mais si vous avez la possibilité de le faire jouer poste 1, faites-le. 1,86 en début de jeu, c'est pas trop un problème. Dans 2 mois, peut-être que ça sera un souci de mettre Donovan Mitchell en poste 2, mais pour le moment, ça ne me pose pas vraiment de problème. Très bon, du même type que Derrick Rose, c'est deux joueurs très similaires. Très rapide balle en main, très athlétique, très aérien, également excellent en défense. Donc là, on a deux profils très similaires et du coup, je vous l'ai dit, c'est un duo totalement explosif. Bon courage à vous si vous tentez de les grind. Dites-moi où est-ce que vous galérez un peu avec Donovan Mitchell. Dites-moi dans la barre des commentaires quel joueur de la vitrine à trophée vous avez grind. Le pouce vers le haut, le commentaire, l'abonnement pour le référencement, la visibilité, c'est parfait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux streams. Retrouvez-moi sur Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents. Comme on dit chez moi, God bless. Peace.